Moi, personnellement, je pense que l'œuvre se doit de représenter le passage du temps à travers notre société hyper-consumériste et ethno-centrée de manière à éveiller les consciences de tout un chacun. Nous allons parler d'art. Je sais, moins fort. Messieurs, dames, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'art. Alors, qu'est-ce que l'art? Des tableaux? Des sculptures? Des tableaux, j'ai une culture de merde en art. Écoutez, ma curiosité grandit d'année en année et je me mets à apprécier certaines formes d'art, ce qui me semblait jusqu'à présent totalement impossible. Après, attention, j'ai une définition de l'art qui est un peu abstraite. Par exemple, pour moi, quand j'achète une figurine Toys, j'ai l'impression que j'ai acheté un objet d'art. Ah, mais qu'est-ce que l'art? Répondez à cette question, qu'est-ce que l'art? L'art, c'est par exemple, quand vous tapez art contemporain sur Google, cette merveilleuse sculpture de pied en bronze à 48 000 euros. Et ça, c'est précisément ce que j'adore avec l'art, c'est que ça regroupe plein de créations de plein de gens et qu'il y a un truc qui est totalement subjectif. C'est vraiment un milieu où une même pièce, une même œuvre, quelqu'un va la trouver genre excellente de malade, c'est la plus belle qu'il ait vue de sa vie, et quelqu'un d'autre, c'est la pire qu'il ait vue de sa vie. Ça reflète vraiment la sensibilité de chacun et ça me fait beaucoup rire. En vrai, c'est vachement intéressant, on commence avec des trucs pas trop flous, mais par exemple, il y a cette personne qui fait des portraits avec un fil. Il a un fil et il te fait Harry Potter. Regardez comme c'est insolent, le gars, il a juste une bobine de fil, des clous, un truc pour mesurer, une pince. Il a ce qu'on a tous chez nous. On a tout ça chez nous. Regardez, vu de profil, c'est beau, tous ces fils. Et quand on recule, oh, c'est Johnny Depp. Quoi? Par exemple, je pourrais aussi vous montrer ce mec qui fait lui aussi des portraits en brisant du verre. Regardez. Ça, c'est un peu bizarre vu comme ça. Ça me fait mal au cœur de péter du verre, mais regardez. Ne voyez-vous pas le visage sur ce verre? N'avez-vous pas envie d'avoir une fenêtre portrait finalement? Je suis sûr que si. Alors vous connaissez probablement quelques artistes qui font de l'art, qui sont très connus. On va pas regarder ça. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art insoupçonné. On va regarder des trucs qui sont de l'art, qui sont des œuvres d'art, mais vous comme moi, on savait pas que ça existe. Enfin, je veux dire, qui suspectait qu'un pied en bronze pouvait coûter 48 000 euros? Moi, un plaid en 2020. Excuse-nous, gros artiste. En tout cas, on peut pas mieux résumer le confinement qu'avec cette image. Il se fait tellement chier à force de faire des Netflix and chill qui dessine une montagne sur son plaid. C'est bon pour vous? Oh, une sculpture faite à l'aide de nombreux crayons de papier. C'est très fort. C'est très fort. Et ça, c'est le genre de trucs qui font rager. Parce que c'est des trucs qu'on a tous chez nous, mais on n'a pas le savoir-faire. On a les crayons, mais pas le savoir-faire. Hein, la sculpture de gorille, ça dégage. Quoi? Une grenouille faite à partir de détritus? Le mec est tellement créatif qu'au moment de fermer son sac poubelle, il se dit « Mais le bout de tissu, mais on va faire une grenouille là !» Alors ça, cette œuvre-là... Les gars, j'ai l'impression que je suis le maître d'une vente aux enchères aujourd'hui. C'est la fameuse sphère où le mec a peint un truc à 360 degrés dessus et ça crée un petit effet mindfuck, c'est très sympa. Je l'achète pas. Ok, ça c'est les trucs de perspective où c'est genre un bordel d'objets et quand tu te mets dans un axe précis... Voilà, putain, ça m'énerve. Ça forme un visage en l'occurrence. Moi je peux dire quand c'est le bordel chez moi, peu importe l'axe, il y a pas trop de visage qui apparaît. Ça reste un tas d'ordures quoi. Mais vous avez déjà vu ça passer, j'en suis sûr, et l'effet est vraiment cool. C'est un très bel effet. Comme cet effet de montage là, c'est un très bel effet ça. Allez, ça c'est encore un truc issu du confinement, c'est sûr. En vrai, le dessin est très sympa. Moins impressionnant qu'une montagne, je trouve. Attention, c'est très sérieux là, on émet des avis très précis, hein. Alors qu'on a aucune crédibilité là-dedans, c'est pas grave. C'est le principe d'internet, ok? En revanche, ce coussin, les gars. Je vous dis la vérité, j'en ai un. Un coussin avec la, vous savez, la matière perlée. Il y a ça sur des vêtements aussi. Sur des vêtements, pas de soucis, c'est mignon et tout. Mais mettre ça sur une matière qui est censée être genre douce et rembourrée. Et là, il est genre rugueux, voire même coupant. Quand le truc est un peu levé. Excusez-moi, mais c'est non. Oh, c'est un dessin qu'il a fait seulement en froissant le papier pour donner du volume et de la perspective. C'est très fort. Quelqu'un achète? Oui, c'est clair, c'est totalement post-moderne. C'est oui. Une chaise qui a grandi sur un arbre. Ah, ok, il a limé le tronc et il est allé au Ikea le plus proche acheter des planches et des vis pour former une chaise. Voilà. Oh, ça va me plaire de ouf. Wow. What? J'ai rien fait, c'est pas moi. Mec, c'est incroyable. Le gars, il a un doctorat en ingénierie, spécialisation robotique. Il peut bosser chez ceux qui font les chiens, là. Ou ils les font danser sur des musiques mignonnes, là, pour faire genre qu'ils sont mignons, alors qu'ils nous terrorisent tous. Lui, non, il a compris que la robotique avait un côté creepy. J'en veux un dans mon bureau. Le dé humain. Ah, il cligne de l'œil. Ah, oh, et c'est genre des sortes de brûlures, grains de beauté, les chiffres. Oh, il est horrible. C'est trop bien fait, mec. Oh, tu peux vraiment jouer avec. Ça, c'est vraiment impressionnant. Je sais que dans le cinéma, ils utilisent beaucoup cette matière-là pour faire des doubles des acteurs, pour certaines scènes et tout. Mais eux, ils l'utilisent pour faire genre des rendre vivants des objets, quoi. C'est creepy, mais j'adore, les gars. Je vous jure, j'adore. Ouh, alors lui, il a fait... Ouh, attention, beaucoup de vues. Eh, quand ça fait autant de vues, c'est de l'art, hein, d'un coup. Hein. En fait, lui, il a fait un miroir qui reproduit ses mouvements grâce à... Une Kinect?
Une Kinect? La dernière fois que j'en ai vu une, c'était quand on a fait cette vidéo sur Cyprien Gaming. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est des moteurs qui font se déplacer des boules beige et noires. Et les boules noires reproduisent le mouvement que tu fais devant la Kinect. Aussi étonnant que cela puisse être. L'effet est très réussi, on dirait le masque de... dans Watchmen, comment il s'appelle le perso qui a le masque, ça bouge dedans? Rorschach. C'est le masque de Rorschach, ça y est. Ça m'est pas revenu, j'ai dû aller sur Google. J'ai la haine. Quoi? Ça, c'est de la sculpture dans une pastèque, mais quelle insolence! On les fait exploser, nous, les pastèques? Lui, il sculpte des pieuvres réalistes! C'est marrant, la sculpture, quand on faisait plein d'activités manuelles, c'est un truc qu'on avait mis sur le tapis avec Lorraine. J'avais failli le faire. Et en fait, c'est tellement technique et tellement long qu'on l'avait pas fait. En gros, j'aurais juste pu sculpter un nez. C'est tout, c'est nul. Oh, c'est ouf! J'avais oublié ça, le body paint, c'était tellement à la mode à un moment, vous vous souvenez ou pas, sur Insta et tout? Il y avait trop de gens qui faisaient du body paint. Là, on est sur une artiste qui a eu l'idée, putain, c'est vraiment fort, de body painter un mec, mais de le mettre dans un décor qu'elle a aussi peint. Et du coup, en joignant la peinture du décor et le body paint du gars, on dirait qu'il s'agit d'une seule et unique œuvre dans laquelle il y a personne, quoi. On se rend plus compte que c'est un vrai mec qui est là assis. C'est vraiment fort, ça me donne envie de me faire peindre. Concours de regard. Quoi? Ah, ils organisent des battles bizarres. C'est génial. Et c'est stressant en vrai. C'est un 1v1 entre un ventilateur équipé d'un couteau et un ballon. Le ventilateur, par définition, vu qu'il pousse le ballon, il pourra jamais l'atteindre avec son couteau. Le tout étant donc devenu de l'art. Sympa, l'idée est rigolote, j'aime bien. J'aime beaucoup. Une sculpture en papier qui ressemble à une statue. Quoi? 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 Ah, c'est des livres à l'intérieur! Waouh, ok, incroyable! Là, on voit avant que ce soit peint, mais putain, quand c'est peint, c'est tellement bien fait, c'est hyper mindfuck. Franchement, j'avais pas du tout compris ce que c'était, c'est trop bizarre, on dirait une sorte de chewing-gum étrange. C'est trop cool que ce soit juste des livres, en fait, je pensais que c'était une matière hyper chimique, mais pas du tout. Ça, c'est connu, et c'est incroyable. C'est comme le mec de tout à l'heure, c'est des mecs, au moment de sortir leur poubelle, je sais pas, ils ont un passe-main au cœur et ils font une œuvre d'art. Là, on est sur un vrai tas d'ordures dont l'ombre forme une scène tout autre. C'est un binôme, c'est Tim Noble et Sue Webster, et je crois que c'est leur spécialité, hein. Je crois que ça, hein. Ça doit puer dans l'expo. Je suis désolé. C'est la seule remarque que j'ai à faire sur eux. C'est tellement honteux. Ces rats sont de vrais rats. Mec, c'est dur, hein. On te tue, on t'empaille, et puis on veut faire croire que t'es Pikachu, c'est embêtant quand même. Cette œuvre est bannie de l'exposition. Je sais, je suis navré, je suis navré. Ça, c'est non pour moi. Genre, pourquoi t'avais besoin de prendre des rats empaillés? Si c'est pour les peindre en jaune. Fais des faux rats. Quand tu vas mourir, je vais te peindre en jaune, moi aussi. Et te mettre au milieu d'un faux Shibuya. Pourquoi j'ai beaucoup d'empathie pour ces rats? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pouah. Ça, les gars, on est tous un peu sensibles à ça, non? Au jeu de lumière qui forme des belles choses. Non, je mettrai ça au-dessus du berceau de mon enfant. Ça deviendra un grand artiste. Une voiture obèse. Je l'adore. Je l'adore premier degré, elle est trop bien. Je dirais pas qu'elle est obèse, moi je dirais juste qu'elle a une forme de plastique qui coule, quoi. Vous êtes dur avec cette voiture. Elle est trop bien, je la veux. La Belle et la Bête. Oh. Quoi? Oh. Wouah, même moi qui adore le creepy là, c'est trop. Elle m'a fait peur, elle, derrière là. Même moi qui adore le creepy là, c'est peut-être un peu trop, les gars. C'est peut-être un peu trop. J'aime bien et j'aime pas, je sais pas. En tout cas, j'achète pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais arrêtez. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais oh, les ruches d'abeilles, faut pas les mettre sur sa tête, mec, hein. Je comprends rien, là. C'est ça, c'est de l'art, là? C'est de l'art qu'on voit? Mais qu'est-ce qu'on vient de voir, en fait, exactement? Les gens ont beaucoup trop de temps libre. Je suis un peu d'accord. Là, les gars, I'm out. C'est une sculpture intéressante qu'on a, là. Waouh! Incroyable! C'est fait à partir de poupées. C'est... ignoble, j'adore! Le socle là avec toutes les têtes, c'est terrible! Oh, c'est le même mec! Wouh! Ça y est, ceux qui avaient pas aimé l'image d'avant ont maintenant quitté la vidéo! Mec, c'est juste un gars, il est trop fan de Monsieur Patate et il s'est dit, mais pourquoi je me limiterais à genre un kit de Monsieur Patate? Je vais acheter 45 poupées et je vais me servir des membres des 45 pour faire mes constructions! C'est excellent! What? What? Fascinant! Et terrifiant, et terrifiant. Oh allez, c'est bon, j'ai ma dose. En fait, ce qui est creepy, c'est qu'on dirait que c'est un humain qui est accroupi et qui fait ça. Mais en fait, il y a trois bras et c'est des robots. C'est... ça met mal. Chapeau l'artiste. Alors ça, c'est des dessins avec des bactéries.
Mais les gars, vous voulez pas genre acheter le petit pack de feutres là comme tout le monde à Leclerc ou... Pourquoi vous allez chercher des bactéries pour dessiner? Et vous avez craqué là-haut? Stop! Messieurs, dames, alors est-ce que vous avez apprécié l'art? Franchement, même si j'approuve absolument pas tout, je suis toujours fasciné par voir ce que des gens ont créé, quoi. On est tous sensibles à quelque chose et peut-être que vous avez pas encore trouvé le type d'œuvre auquel vous êtes sensible et ça viendra, j'ai aucun doute. En plus, moi, j'ai la chance d'être de bien vivre, quoi, donc je peux faire des commandes à des artistes, même des petits artistes. Et ça fait trop plaisir d'acheter un truc que tu trouves cool et puis d'envoyer de la force aux artistes parce que c'est quand même pas facile comme métier. Et puis là, j'ai découvert un peu le délire du verre, des gens qui soufflent du verre ou qui sculptent du verre. À une personne qui s'appelle Abibi, j'ai acheté un petit Shiba et je suis trop content d'avoir acheté ça, j'en suis trop fier de malade, je sais pas, j'adore, je suis content. Bref, c'est mon délire du moment, donc je voulais en parler. À bientôt, portez-vous bien. Vous n'oublierez pas évidemment les visages là qui tirent la langue. Ça va rester en tête 2-3 jours, c'est normal, vous en faites pas. Au plaisir, à bientôt les petits squidos.